Le troisième élément, bien sûr, c'est Audrey Hepburn. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est une sorte de passion. J'entends de rien et je comprenais moins de ça. Ah, bon, mais c'est pour ça qu'il y a une traductrice. Oui, je sais, voilà. J'entends de rien. Oui. Could you tell us a few things about Audrey Hepburn? Because we have not spoken about her yet. I don't actually think about her anymore. She's gone. She was a great friend. I thought she was wonderful in movies and unique. Je parlais en anglais encore. Tell me how you can choose. Elle est vraiment unique. Elle est vraiment formidable. Et vraiment unique, différente de le monde complet. C'est pas possible de pas aimer Audrey Hepburn. C'est aussi notre avis, et en particulier à Paris, parce que c'est presque une Parisienne, grâce à vos deux films, grâce aussi à d'autres films, je pense à Sabrina par exemple, qui a aussi un film qui, dans lequel on la voit devenir elle parisienne. Parle parfaitement le français, oui. Parfaitement. Ariane, I told this story, it was very funny. We were making funny face. I just told it to someone else. I hope I haven't told you. And the prop man, whose name was Ronsin, I still remember him, I would say, after Ronsin, prenez le singe, bring the monkeys, I was saying. And after two or three days, Audrey Hepburn said to me, Stanley, you know what you're saying to him. You're saying, bring the monkeys. I said, no, I'm not. She said, no, the word for swan is senior, pas singe. I was saying, bring the monkey. I meant bring the swan, but I got the swan, whatever I said. Oui, il y a une petite anecdote sur le film, je me souviens, on faisait drôle de frimousse, et puis il y avait cet homme qui était chargé des accessoires dont je me souviens très bien, qui s'appelait Ronsin, et je lui disais toujours, en français, amenez le singe, en fait, et puis au bout de 2-3 jours, Audrey Hepburn m'a dit, tu sais, ce que tu lui dis, c'est amène le singe, et ce que tu veux lui dire, c'est amène le signe, et le mot en français, voilà, pour signe, c'est swan, et ce que tu dis, c'est singe, et ça correspond à manquait. Et quoi que je disais, j'avais bien le signe. I only had 5 hours. J'ai des leçons pour 5 heures dans Berlitz, à Californie. C'est tout le français que je dis. Je me rappelle le mot C-Y-N-G-E. Et j'ai parlé assez singe. Stupide, mais vérité. En tout cas, 5 heures à Berlitz. Et parler avant Funny Face. Parler comme vous le faites, c'est une publicité pour Berlitz. Là. Publicity for. I see. I can't tell that story then. They won't tell any places. Alors, et ce couple Cary Grant Audrey Hepburn, comment il fonctionnait dans le film? Parce que je crois que Cary Grant était inquiet de sa différence d'âge avec Audrey Hepburn avant le tournage. How did that work in the film, Cary Grant? Because I know the question. Je connais la question. Je crois. Parce qu'il a dit, Stanley, je suis très vieux, trop vieux. Pour chasser dans après Audrey, she must run after me. So we had to turn it upside down, where he was being sought after and she was the aggressor. To explain that to these people. Oui, alors en fait, Cary Grant se trouvait trop vieux pour courir après Audrey Hepburn, donc du coup, on a été obligé de renverser complètement l'histoire de manière à ce qu'elle soit l'agresseur et qu'elle lui court après. Alors, dans ce film, on a l'impression que vous jouez beaucoup, puisque vous citez aussi beaucoup vos propres films et bien sûr d'autres films, dont des films d'Hitchcock. Il y a des allusions, des citations, même quelquefois explicites. C'est un jeu. You seem to quote quite a lot of films in Sherrod, some of your films, but also some of Hitchcock. Right. Did I quote my own film? You mean there were things in it that were like things I had done? Is that what you mean, or did we actually say it? Alors, est-ce que vraiment je fais des citations de mes propres films dans Sherrod, ou est-ce que c'est juste reprendre des choses qui étaient déjà dans mes films précédents? I don't think I did either.
I don't think I said it, whether they were Hitchcock's films or ones I had made, but I don't know that I quoted, but I'm sure you're right, I'm just not aware of it. Alors vous avez sans doute raison, mais je ne suis pas sûre d'avoir fait ça. En tout cas, je ne l'ai pas dit vraiment nommément, ces citations. Ça, on vous laissera juge. Hein. Il y a des citations quand même. I visited Los Angeles. I was living in Europe after that, and I was going to visit Los Angeles, and Cary Grant said to me, I hear you're coming to Los Angeles. Yes. He said, is there anything I can do for you out here that you'd like to do? Can I arrange it? I'll explain this in French. I'm back in English again. It's okay. You choose. It doesn't matter. I can, yeah. It matters to them. They don't mind. Okay. They're happy to hear you. J'ai dit oui. Je voudrais connaître Alfred Hitchcock. Il a dit simple. Il a fait un petit déjeuner pour Hitchcock, Grant et moi. I asked Hitchcock at the lunch, Mr. Hitchcock, what is going to be your next film? And he said to me, what difference does it make? And I said, I don't understand. What do you mean? He said, well, if you were having lunch with Picasso, you wouldn't say, what's your next picture? And I thought he was a perfect jerk. It's not like painting a picture. It's a whole big story with a lot of characters. And so I was put off by his reaction to my question. But I thought he made some wonderful movies. Oui, en fait, hein, à l'époque où j'ai réalisé Charade, je vivais donc en Europe, et puis sachant que j'allais me rendre à Los Angeles, Cary Grant qui vivait m'a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je lui ai dit, écoute, arrange-moi un rendez-vous avec Hitchcock. Hein. Ce qu'il a fait, donc il y a eu un déjeuner qui s'est fait entre Cary Grant, Hitchcock et Stanley Donen. Et Stanley Donen a demandé à Hitchcock, alors monsieur Hitchcock, quel est votre prochain film? Et puis Hitchcock lui a répondu, mais à quoi, enfin, quel est l'intérêt de cette question? Et donc, il lui dit, si vous rencontriez Picasso, il lui a répondu, si vous rencontriez Picasso, vous lui demanderiez pas quelle est la prochaine toile qu'il va peindre. Hein. Et je trouvais que c'était une réponse, absolument idiote. Je me suis dit, ce type est crétin, parce que de toute façon, une peinture et un film, ça n'a rien à voir. Un film, c'est vraiment quelque chose qui nécessite beaucoup de personnages, une histoire très compliquée, etc. Mais en même temps, malgré cette réponse qui m'avait un peu refroidie, hein, il n'empêche que Hitchcock a fait des films formidables. Alors, on ne va pas faire patienter trop longtemps le public, mais Charade, c'est un film qui est donc réalisé avec une incroyable liberté. D'ailleurs, les critiques à l'époque, il y en a un certain nombre qui ont dit, j'ai lu notamment une critique dans l'Humanité, je sais que vous ne prêtez pas grande foi à ce qui est écrit, mais... People are waiting to see Charade. Yeah. But nevertheless, one last thing, Charade is a film that was incredibly free in its direction, in the way you actually shoot it. Yeah. And but he read, even if he knows obviously that you do not believe what is written anywhere, he read in one French newspaper called L'Humanité, a critic saying, qui déclare que ce film est comme une comédie musicale sans musique, comme un ballet sans danse. Like a musical without music. Exactly. What the hell is a musical without music? Charade. I understand. Charade is like a musical without music. There is no musical without music. Il n'existe pas. Peut-être une façon quand même de filmer, une façon de montrer les choses. Maybe it referred to your way of filming. Maybe it meant that you were able to give a proper musical rhythm without using music in making a film when you made Charade. Maybe that's what the guy meant. Maybe. Peut-être que vous filmez comme un joueur de jazz. Comment, quoi? Maybe you are shooting like a jazz player.
jazz musician. No, I'm not. No, I'm not shooting off the cuff. Comme un danseur de jazz. No, everything is planned, every second, every moment. I know what we're going to do, and that's why I can shoot. I only shoot the part of the film I want to use. There's no more on the film. What you see in the film is what I photographed. And I always laugh when it says director's cut, because what the hell is the movie except the director's cut? You know, that's what we do. If we put it together, that's the director's cut, unless you're somebody they pay no attention to, but they still call you the director. C'est vrai que non, moi je filme pas du tout hein, comme un musicien de jazz. Au contraire, quand je filme, tout est planifié, chaque seconde, chaque moment. Et en fait, ce que vous voyez à l'écran quand vous voyez le film, c'est précisément ce que j'ai filmé. Hein. Et ça me fait toujours rigoler quand j'entends cette expression en fait de director's cut, c'est-à-dire le montage du réalisateur. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette chose-là ? Parce que c'est fondamentalement, c'est ça notre travail, c'est mettre en image ce qu'on veut mettre en image, sans avoir besoin d'y revenir beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de, avant la projection du film au public? Vous avez quelque chose à ajouter? Do you have anything you want to say to the audience before they actually see Sharon? Yes, j'aime beaucoup. I hope you like it. C'est quel est votre prochain film? I wish I could answer the question, but I need all the money. I can't make it without having the money, and that's what I have to get first. Voilà. Il y a un appel pour l'appartement. Maintenant, il y a également. Il y a alors, j'aimerais bien pouvoir répondre à cette question, hein, mais en même temps, avant de pouvoir faire un prochain film, il me faudrait de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Merci.